Suivez votre programme passion Autosport du Var avec la carrosserie Sonic Auto. Tous travaux de carrosserie et peinture automobile. Sonic Auto, 83 340, le canet des morts. Bonjour mes chers amis et quel plaisir de vous retrouver sur Passion Autosport du Var pour ce nouveau reportage. Nous sommes en 2022 et il est encore temps de vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Aujourd'hui, nous sommes sur la commune de Solespont et regardez encore un cadre magnifique et féerique. Solespont, réputé pour son savoir-faire des traditions et du terroir. Et ça, c'est Marie-Catherine qui va nous raconter l'histoire de cette commune, l'histoire de ce super beau château. Mon invité, Jean-Philippe, qui nous vient de Marseille, va nous présenter ce grand, ce long et ce gros bébé. Et vous allez voir, pour certains d'entre vous, je pense que c'est comme moi, vous n'en avez jamais vu. On va prendre un réel plaisir, tout ça sur Passion Autosport du Var. Bonjour les filles et les garçons, eh bien, nous sommes à Solespont, qui est la capitale de la figue. Alors, le figuier, c'est un arbre emblématique du bassin méditerranéen avec l'olivier. On le trouve en Grèce, en Italie, en Turquie, mais en France aussi, en Bretagne, dans le Vaucluse, dans le Languedoc-Roussillon et dans le Var. Alors ici, c'est la figue de Solies, la violette de Solies, qui a une AOC, qui est une figue violette, comme son nom l'indique, avec une production qui équivaut quasiment à 75% de la production nationale, avec 2500 tonnes par an. Alors, on est sur la vallée du Gapo, qui a une espèce de microclimat, un terrain assez riche qui favorise effectivement la production de ce fruit-là. Alors, si vous venez à Solespont le dernier week-end du mois d'août, vous pourrez assister à la fête de la figue avec un très grand marché, avec un repas à base de produits issus de la figue, avec des chefs qui vont venir cuisiner et vous faire goûter leur préparation. Et puis un grand marché, donc avec des artisans, des producteurs. Et une messe, une grande messe, avec une bénédiction des confréries de la figue et l'intronisation des nouveaux chevaliers. Alors une petite anecdote, vous connaissez sans doute tous l'expression « mi-figue, mi-raisin ». Eh bien, elle vient des Corinthiens qui exportaient leurs figues vers Venise et qui plaçaient subrepticement au milieu des raisins des figues qui coûtaient beaucoup moins cher. Voilà, d'où cette expression, lorsqu'on dit « mi figue, mi raisin », on n'est pas bien sûr de ce que ça représente exactement. Alors, Solespont, c'est aussi le château Forbin que vous voyez derrière moi, qui a été acquis par la seigneurie, en tout cas, avant le château, a été acquis par Palamède de Forbin, qui était grand sénéchal. Le château lui-même a été construit au XVe siècle. Il faut savoir qu'il y a eu des visiteurs illustres comme Charles IX, Catherine de Médicis, Louis XIV en 1660, Georges Clémenceau en 1920, qui était à l'époque député du Var et président du Conseil. Alors ce château, il a eu des fortunes diverses, puisque en 1792, il a été pillé, il a été incendié, il est resté longtemps en ruine et il va falloir attendre le début du 19e siècle pour qu'il soit réhabilité, et en particulier par le marquis de Saporta, dont on peut voir, je crois, encore les armoiries sur le château. En 1850, donc, une réhabilitation, et en 1880, avec l'ouverture des lignes de chemin de fer, on fait venir de la brique de Marseille et on recouvre la façade avec cette brique, hein, ce qui donne à ce château un aspect tout à fait particulier. Il va changer de propriétaire plusieurs fois, il va être légué, il va être acheté. Et en 1956, il va être destiné à devenir une clinique psychiatrique pour jeunes enfants. C'est en 1998 que la commune de Solies l'acquiert, en fait l'acquisition, le restaure. Et c'est un château qui aujourd'hui... dans lequel on va trouver les services communaux et l'office du tourisme. Alors, il ne se visite pas. En revanche, vous pourrez venir le voir, le visiter pendant les journées du patrimoine.
Salut les petits amis, vous allez bien? Bon, vous allez excuser ma voix, on dirait la famille Adams. Mais ouais, c'est les joies d'une bonne laryngite d'hiver. Bon, je passe. Alors, aujourd'hui, ça m'a fait très plaisir de venir m'asseoir dans cette auto pour une raison très simple. En fait, même Mathieu n'est pas au courant de ce que je vais vous dire, alors il est un peu inquiet. Voilà, on est en 69-70, j'ai 8-9 ans. Et je suis en vacances dans le midi de la France, dans la ville qui fait la frontière avec l'Italie au bord de l'eau, je ne vous fais pas un dessin, chez mes grands-parents. Et chez mes grands-parents, mon grand-père est passionné de bateau, il a un bateau avec un V8 américain. Et bon, c'est un truc sympa. Et il est garé au port, et donc tous les jours, on descend tranquillou vers le port à pied, peinard, enfin, et puis on va à Stiquet, on fait un tour de bateau. Et puis à Garavant, donc c'est le nom du port, il y a les bateaux sur les pontons et il y a toute une ligne de voitures garées avec un parking. Et dans cette ligne de voitures garées, à l'époque, j'étais déjà, je comptais les Porsche pendant les vacances, j'avais un petit carnet, c'était déjà pas mal. Et là, je vois un truc que j'avais jamais vu. Une voiture large, plus large que les autres, quatre phares, des pots comme ça, et puis une ligne que j'avais jamais vue. Et cette voiture, elle m'intrigue. Je vais la regarder. Et puis tous les jours, je suis descendu voir cette voiture. Et cette voiture, voyez l'imaginaire d'un enfant de 8-9 ans quand il voit une auto comme ça. Déjà, c'est une Jensen, la marque je ne connaissais pas. Et puis Interceptor. Alors je me suis dit, pour qu'un gars il puisse appeler une voiture Interceptor, c'est que ça doit être un truc extraordinaire. C'est la voiture pour attraper les bandits sur l'autoroute, quoi. C'était Transformer pour moi. Vous voyez, à 8-9 ans, on a l'imaginaire qui galope. Et donc, je vois cette automobile et tous les jours, on descendait, tous les jours, je faisais le crochet et j'allais tourner autour. Et au bout de, je sais pas, 2-3 semaines, j'arrive et je vois un fil électrique qui va vers la voiture et le capot est ouvert. Et là, je vais pouvoir regarder le moteur et ça, le moteur. Et donc, je me soulève comme ça pour regarder, c'était plein comme un œuf. Et puis il y a un monsieur très gentil qui s'approche avec un fort accent anglais, mais je ne savais pas que c'était de l'accent anglais parce que j'étais un minot, et qui me dit « Elle vous plaît ma voiture ?» Et je dis « La voiture est extraordinaire. Elle me plaît, qu'est-ce que c'est comme voiture ?» Il me dit « Tu veux t'asseoir ?» Et donc il m'ouvre la porte passager et je m'assois à l'endroit d'aujourd'hui, donc c'était un grand moment. Et il me fait un peu faire le tour de la voiture, il m'explique qu'elle est en panne et qu'il attend le dépanneur. Effectivement, il y a une camionnette avec le AA jaune, vous savez, l'automobile club anglais, qui viendra la chercher, qui va la ramener en Angleterre. Elle avait un problème de boîte de vitesse. Donc, il faudra m'excuser, mais je suis très ému d'être assis au même endroit qu'il y a, on va pas dire de bêtises, ouais, une bonne cinquantaine d'années au même endroit. Avec la voiture, c'était la même, elle avait l'intérieur brun. Elle était jaune, donc pour moi, c'est vraiment un voyage dans le temps aujourd'hui. Allez hop, on va prendre l'air. Alors donc, Jensen, c'est un carrossier fabricant d'automobiles anglais qu'on connaît tous sans le savoir parce qu'en fait, Jensen a fabriqué les premières Volvo P1800. Vous vous rappelez de la voiture du Saint, Simon Templar, Roger Moore, ce coupé blanc P1800. Les premières sorties avaient été fabriquées chez Jensen parce que Volvo était un peu à la bourre sur la fabrication des carrosseries. Et donc Jensen, en tant que carrossier, avait dépanné Volvo. Alors, en 66, les premières Interceptor, que j'adore toujours, sortent. Le design, il est italien. Et on va retrouver dans le design de cette auto une particularité, c'est la bulle. On va la détailler après, la lunette arrière en bulle, qu'on a retrouvée d'ailleurs à l'époque sur une concurrente qui était la Maserati Mistral, qui était une très belle voiture avec cette bulle qui était, comme on disait à l'époque, très pratique pour y mettre un sac de golf. Donc, le design, c'est Touring, la signature super leggera qu'on connaît tous, qui dessine cette auto. Et puis, au moment de rentrer en fabrication, il y a quelques frictions. Touring n'a pas la capacité de faire l'emboutissage et glisse le bébé à Vignale, et qui faisait beaucoup de petites séries pour Fiat. Et puis,
ça ne va pas beaucoup mieux et finalement les Anglais vont rapatrier l'emboutissage de l'ensemble et les presses en Angleterre en 1967. Alors, la solution était intéressante techniquement. Les Anglais ne voulaient pas s'embêter avec une conception de moteur compliquée. Ils ont donc acheté chez Chrysler le gros bloc, celui de la Dodge Charger de l'époque, qui était tout prêt à mettre dans la voiture. En boîte de vitesse, il y avait une manuelle qui a eu peu de succès. Et il y avait, je crois que c'est la Torque Flight, qui était la boîte auto, qui était très au point, qu'il y avait sur toutes les voitures américaines. Cette recette de moteur américain dans une voiture un peu exotique, on l'a déjà vu avec Bizzarini qui a une V8 Chevrolet. On l'a aussi vu avec une voiture magnifique que j'aimerais faire. S'il y en a une dans le Var, il faut que vous veniez me voir. C'est la Facel Vega, la HK500 qui avait le V8 Chrysler aussi. Et donc l'Interceptor, elle aura des moteurs de 6 litres 3 à 7 litres 2. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que les années avancent, les normes anti-pollution se durcissent. Et du coup, on augmente petit à petit la cylindrée pour éviter de perdre en puissance. Il y aura une série pour les amateurs de performance qui sera la six-pack avec une rangée de carbu Olay et on arrivera à une puissance de 385 chevaux. Évidemment, avec ces carbus américains, la voiture était un avion de chasse. Mais le problème, c'est qu'elle ne passait pas les normes aux États-Unis. Donc, ils n'ont pas pu la vendre là-bas. C'est très anglais comme définition, ça. Alors, en 69, on se retrouve avec la MK2, qui est une version affinée de la MK1, évidemment. Le radiateur est majoré, parce qu'en Angleterre, ils nous font des autos pour rouler au froid, mais dès qu'on roule au chaud, elles ont des coups de chaud. Donc là, le radiateur passe en taille supérieure avec un faisceau plus complet. La planche de bord est revue, nombreux détails de finition. En 71, pour faire évoluer la voiture, on met les freins et les roues de la six-pack sur la version normale, ce qui fait qu'elle se met à freiner mieux, elle devient vraiment efficace. Et puis en 73, il y a des nouvelles normes, donc on passe au gros moteur. En 73, il y a le choc pétrolier. En 73, il ne faut plus que les voitures consomment. Et là, c'est le champ du cygne. Donc on se retrouve avec une usine qui est pendue à la vente de ces voitures. Et malheureusement, en 76, c'est la fin de Jensen, qui, avec ce modèle très, très étonnant, très rare et très artisanal, était en complet décalage avec l'actualité. Sur ce, on va se faire un tour de caisse avec le propriétaire, c'est un vrai plaisir. À l'heure. Bonjour. Quel plaisir de te recevoir sur Passion Autosport du Var. Alors Jean-Philippe nous vient de Marseille, oui. Et tu nous apportes aujourd'hui un énorme bébé. Oui. Avant d'en faire le tour et de détailler vraiment l'histoire de cette voiture, déjà, fais-nous un petit CV du personnage, un CV de ta passion pour cette auto. De ma passion pour cette auto. Alors comment elle arrive dans ta vie? Elle est arrivée un petit peu par hasard, puisque c'est après le premier confinement que je l'ai récupérée. C'est une auto qui m'a toujours plu, parce que rarissime et parce que le nom déjà est exceptionnel, le nom est assez original, Interceptor, forcément ça dit tout. Et puis c'est le côté anglais et ça aussi pour un passionné, l'avantage d'avoir quelque chose de rare, mais relativement facile à entretenir. Quand tu t'achètes cette voiture, elle est dans quel état? Elle est roulante. Déjà, j'aime bien le terme roulante, donc déjà c'est... Ça sent des signes de faiblesse. Et donc, lors de l'essai, elle est tombée en panne. Deux fois. Et je l'ai achetée à Arras. Alors là, pour ceux qui ne connaissent pas, cible-nous, c'est donc, Arras, c'est on a 1200 km à peu près, ou plus de 1000 km en tout cas. Et donc, j'achète pas. Bon, finalement, je prends la voiture. Je me dis, bon, allez, on prend la voiture. On a fait les kilomètres, on la ramène. Et j'avais prévu donc de faire le trajet en deux fois, puisque je suis parti à 17h d'Arras. Et ça commence à être sympa. Et j'ai commencé à rouler. Au début, à 90-100 à l'heure sur l'autoroute, en me disant, bon, on va essayer de... Et la voiture roulait de mieux en mieux, donc je devais m'arrêter vers Mâcon.
Et finalement, je suis arrivé, il devait être 3 à 4 heures du matin à Marseille. Avec des brûlures d'estomac. Non, ça allait, avec une inquiétude, parce que je ne savais pas si elle allait redémarrer. J'arrivais la trappe à essence avait du mal à s'ouvrir. Donc voilà, elle avait la totale. Mais finalement, bon, elle est arrivée à bon port. Mais c'est vrai que j'étais un peu fatigué, parce que j'avais des têtes comme ça. Et le plus compliqué a été surtout de faire le plein très souvent. Parce que c'est une auto qui consomme un tout petit peu d'essence. Bah non, rien qu'un peu, j'imagine. Surtout qu'elle était très très mal réglée, enfin voilà, mais elle roulait, voilà. Et elle ne freinait pas. Alors, cette auto, elle est quand même extrêmement rare, faut ouais. dire. On parlait tout à l'heure de chiffres, est-ce que tu saurais nous dire à peu près combien il en resterait en France ? Enfin, roulante, du moins. En France, allez, on va dire entre 10 et 20, je dirais. Et dans le monde ? Voilà, entre le tiers et la moitié de la production d'origine, donc 6000 produites, on va dire entre 2 et 3000. Par contre, tu nous as dit, au niveau des pièces, aucun souci à trouver, aucun souci. Mécanique du moins. Ah, mécaniquement, c'est du Chrysler, donc Chrysler, on trouve, c'est le moteur de la Dodge Charger, pour ceux qui connaissent, donc un petit moteur. Donc moteur boîte Chrysler. Le reste, on trouve les Anglais, lorsque l'usine a fait faillite en 1976, un passionné, Martin Robé, a racheté les outillages et produit toujours, si besoin, les pièces de carrosserie. Donc celle-là a eu un accident. Donc c'est pour ça qu'elle a été entièrement refaite. Et donc, j'avais pu trouver les pièces si nécessaire, mais finalement, bon, on s'est débrouillé autrement. Mais on trouve absolument tout. C'est quelquefois un peu compliqué, un peu onéreux, mais on trouve. Voilà. C'est un point important de préciser parce que ça permet à des gens qui sont réticents de s'aventurer sur un achat d'un véhicule de collection. Mmh. Et grâce à des gens comme toi qui sont aussi porteurs de très bons conseils. Mmh. Donc ben voilà, vous avez un projet d'une Interceptor, ben vous savez que Jean-Philippe, ça fera un plaisir de vous renseigner. Voilà. Donc c'est ça le partage de cette passion qui est formidable. Voilà. Donc, exactement, je pourrais même vous trouver les 4 joints des répétiteurs. Quand le carrossier vous appelle en disant « Ah, ils sont morts, hein, les joints !» Eh bien oui, ils étaient morts et il a fallu les faire revenir directement des États-Unis parce que j'ai trouvé les joints seulement aux États-Unis, on ne les trouvait pas en Angleterre. Donc c'était un plaisir, un peu cher le plaisir. Mais quand on aime, on compte pas. Ah, c'est ça. Waouh! Voilà! Et voilà, 440 Magnum, la signature qui tue. Waouh! Wow. Ouais. Alors donc là, la cylindrée. 440 cubic inches. C'est marqué. 7 litres 2. 7 litres 2. Ça en fait de la gamelle là-dedans, ça en remue de l'air. Hein. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'il y a comme carburateur? Parce qu'il y a eu plusieurs modèles sur toutes ces autos. Alors d'origine, il y avait un Olé 4 corps. Ouais, à l'américaine. À l'américaine, il a été remplacé l'été dernier, donc après la remise à niveau de l'auto, par un Edelbrock. Ah, qui est aussi pur jus là-bas. Même principe. Voilà, ouais. En fait, même les joints doivent être les mêmes, non ? Non, il est plus efficace. Il paraît qu'on gagne un peu en consommation. On gagne 5 litres. 5 litres. Au 100. On est à 20 litres. Au 100, c'est énorme. Ouais, on descend 20 litres. Excellent. Alors, cette auto. Elle a la direction assistée. Oui. Parce qu'il y en a qui ne l'ont pas eu. Ah, au début, je crois peut-être que la première année. Les toutes premières, alors, ouais. Voilà, la première année, les gens se plaignaient que c'était un camion. Mmh. Alors, à conduire, toi, tu as la boîte. Boîte automatique. Automatique. Combien de rapports ? 3 rapports. Voilà. C'est américain, c'est un tracteur. Hein. C'est un tracteur. C'est ouais. Lent, c'est. Pas du tout efficace. Voilà. Mais plein de glissements. C'est ça, mais c'est très doux. Et ça va avec la philosophie de la voiture ? Ouais. Globalement, oui. Au niveau de la maintenance, qu'est-ce qui t'a causé la pire des complications ? Parce qu'on est quand même sur une anglaise artisanale. Oui. Et généralement, on se dit, mais qu'est-ce qui leur a pris de nous pondre un truc pareil ? Des fois, il y a... Ouais. Voilà, il y a alors, le truc qui a posé le plus de problèmes sur l'auto, alors le truc classique, c'est la direction assistée qui fuyait, mais ça, elles l'ont toutes. Donc c'est anglais, ça fuit. Voilà. Non, mais là, elle ne fuit plus, puisqu'elle a été refaite. Oui. Mais le plus gros souci, ça a été le freinage qui lui a valu un accrochage. Puisque quand je l'ai acheté, comme je disais, elle roulait, mais elle ne freinait pas. Oui. Mais pas bien du tout. Donc le master vac était HS et le maître cylindre n'était pas forcément en meilleur état. Donc j'ai remplacé ça par ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire de l'adaptable, c'est-à-dire un système de freinage de Jaguar XJ série 1, mais qui est exactement le même.
Oui, en fait, voilà. À l'époque, ils puisaient dans la banque, dans le parts list des voisins. Et puis, Lucas fournissait un peu tout le monde. Exactement. Et voilà. Oui, et puis, c'est des voitures qui sont très peu produites. Donc, forcément, il y a très peu de pièces spécifiques, si ce n'est esthétique. Température de fonctionnement, parce que je vois qu'il y a un radiateur qui est haut comme la Tour Eiffel et puis qui est un très grand modèle. Oui. Alors, ça aussi, c'est une adaptation. Alors, qui date pas de mon achat, mais bien avant, puisque lavé quand j'ai récupéré. A priori, c'est un radiateur qui a été largement augmenté, puisque la voiture était originaire de Floride, où il fait relativement chaud. Ça a tendance à sécher avant de rouiller. Et pour la petite histoire, quand je l'ai acheté, il faisait 35 degrés au retour. Donc le radiateur était en fonctionnement, elle n'a absolument pas chauffé. Donc quand j'ai eu l'accident, le radiateur a été percé. Donc, ce que j'ai dit, c'est on ne reprend pas un radiateur d'origine, on prend ce modèle-là parce qu'elle ne chauffe absolument pas. Et surtout, ça marche, gardons-le. Oui. De toute façon, dès qu'il y a un truc qui fonctionne, on garde. En fait, sur cette voiture, ce qui fonctionnait le mieux quand je l'ai acheté, c'est la clim. Voilà, la clim marche parfaitement et marchait parfaitement à l'achat. Ah, de toute façon, en Floride, celui qui voulait vendre une voiture sans clim, c'était un cabriolet ou pas. Hein, de toute façon, Et encore. Alternateur d'origine, pas dynamo. Non, c'est un alternateur. La maintenance au niveau des pièces, pour tout ce qui est bougies, consommables, joints, tu te fournis aux USA ou il y a des gens? Non, on trouve. Alors, il y a il y a deux grosses officines au Royaume-Uni qui permettent d'avoir toutes les pièces pour la voiture, que ce soit mécanique ou carrosserie. Bon, après, pour la mécanique, il faut un petit peu chercher parce que les Anglais, surtout depuis le Brexit, ont tendance à être un petit peu plus cher. Alors là maintenant, il y a un tableau de bord de Jet, il va nous expliquer comment ça marche. Allez hop, en voiture. Alors, c'est assez classique. Assez classique. Alors on a le compte tour classique. Oui, avec une zone rouge qui est à maxi 5000 tours. Donc, 4500 quoi. On voit qu'il ne faut pas le chatouiller, non. Il envoie en bas et en haut, c'est pas la peine. Voilà, le compteur donc de vitesse qui est en miles et en kilomètres heure. Bon, les petits trucs là, c'est pour avoir les vitesses françaises. Oui. Voilà, parce qu'il donne la vitesse, mais c'est pas tout à fait la bonne. Il donne une vitesse qui est la sienne, mais qui n'est pas forcément la vitesse légale. Alors, je vois que c'est du GGR, mais à l'époque, GGR fabriqué en Angleterre, chez Smith. Alors. Oui, donc en fait, on a tout. On a de la qualité. Alors, température. Alors, ensuite, après la vitesse, on a la température pour savoir si le bébé est en train de chauffer. La pression d'huile, quand c'est à zéro, c'est que le moteur est mort. Donc, ça ne sert plus à grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a comme pression d'huile en fonctionnement là-dessus? Elle est relativement élevée. Très étonnamment, elle est assez élevée. On est plutôt entre 50 et 70. Donc c'est en marche normale. En marche normale, oui. Ralenti à chaud entre 30 et 40 30 et 40, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Okay. Ensuite, l'instrument le plus important sur cette voiture, donc la jauge à essence, puisqu'on a 80 litres qui permettent de faire au mieux 400 km. Elle sert de décompte kilométrique. Oui, c'est ça, exactement. C'est tout à fait combien ça. Combien je fais de kilomètres, c'est marqué. C'est ça. D'ailleurs, on remet toujours le kilométrage à zéro, parce qu'on ne sait jamais. Le voltmètre. Donc, de son, il est toujours au maximum puisque l'alternateur charge très bien. Okay. Et le seul instrument qui n'est pas un instrument anglais et qui fonctionne, c'est la montre. Ah ! C'est du Kienzl. Voilà. Ah oui, mais c'était des montres de Ford Capri, c'est Kienzl, ça c'était des montres qu'on trouvait sur des... Alors, il y a la même sur les Aston de la même époque. Après, sur les modèles, je sais pas. Sur les autres, je sais pas. Ah, c'est quelque chose que j'ai pas souligné, ça, parce que tu m'en avais parlé et j'ai pas eu le temps de tout dire. Mais c'est vrai que la cible à l'époque, c'était les Aston, parce qu'il y avait quand même des prestations qui étaient à l'unisson et un tarif qui était quand même un peu moins élevé qu'une Aston Martin. Oui, je crois que c'était 20% moins cher qu'une Aston Martin, ce qui reste quand même relativement cher. Ils utilisaient pareil les mêmes dépôts des mêmes vaches, en utilisant beaucoup de vaches. Et après, l'avantage, effectivement, c'est qu'on a un moteur américain qui est beaucoup plus simple. Le Nardi, il est d'origine? Non, le Nardi, il est d'époque, la fin des années 70, des années 80. En tout cas, il était présent sur l'auto quand je l'ai acheté. Ouais. Mais le volant d'origine est particulièrement vilain. Donc, c'est pas forcément gênant. Voilà. Ok. Juste une question. L'intérieur, il est princier. Moi, je le trouvais déjà quand j'étais minot extraordinaire. Oui. Tu vas me répéter combien il y a de pots pour faire cet intérieur?
Alors, sur le catalogue... On va se faire des amis chez la protection de l'environnement. Sur le catalogue, il est écrit qu'ils utilisaient 6 pots. Et donc, quand j'ai refait l'intérieur, j'en ai utilisé 6,5. Donc, voilà. Effectivement... Il y a 6 meumeux là-dedans. C'est une bétaillère. C'est une bétaillère. On a 6 vaches. Charmante bétaillère. 6, il y en a. Il y a 6 vaches, incroyable. Le capot, le coffre s'ouvre là. La tirette. Sous la plaque constructeur, une des plaques constructeurs. Et donc... Voilà, donc un coffre de GT. Ouais. C'est pas une sportive pure et dure, c'est une voiture de grand tourisme pour cruiser sur l'autoroute, pour... voilà, ils allaient sur la Riviera avec, voilà. C'était une belle auto. Hein. Un extincteur. D'origine. Je reconnais le prudent quand même. Non, c'est un extincteur d'origine de la voiture. Tu l'as fait vérifier ? Non, là ça je crois quand que... même raisonnable. Il y en a un deuxième. Ah, il y en a un deuxième. Il y en a un moderne, ouais. Je vois qu'il y a de la littérature. Oui. C'est bien, il faut toujours avoir la doc et tout. Donc, tu as une anglaise, il a fallu travailler un peu l'anglais pour les lectures oui. de pièces. Oui, ça, c'est pas un problème. Oui, l'anglais ça, technique, c'est pas un problème. Dès qu'on est passionné, ça rentre tout de suite. Donc, une petite question. Souvent, les autos avec une grande bulle comme ça, elles sont pas super étanches. Dès que tu as refait la voiture, vous avez vu s'il y avait eu des entrées d'eau, des choses comme ça, c'est... Oui, en fait, c'est très mal conçu à l'origine, a priori. Mais non, il faudrait pas le dire. Mais bon, les ingénieurs, comme c'était il y a 60 ans, voilà. Ouais, et puis c'était il y a 60 ans, donc ils nous entendront plus, les pauvres. En gros, la pièce qui nous a posé le plus, qui a posé le plus de problèmes au carrossier, c'est l'entourage de la lunette arrière, puisqu'il y avait plus de rouille que d'acier. Okay. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Et effectivement, l'eau stagne. Hein, donc, Ah, je le sentais comme ça, je préférais poser la question, ça aurait été une heureuse surprise d'avoir... Non, zéro souci. Non, voilà, c'est ça. Pas du tout. Les versions anglaises, elles avaient aussi les cataphotes sur le côté ? Non, les versions anglaises n'ont pas les répétiteurs ni devant ni derrière. Ça, c'est les versions dites fédérales. Donc, US. US. Par contre, elles avaient le répétiteur de clignotant sur l'aile avant que n'ont pas les versions américaines. Ah oui, un peu à l'italienne. Ouais, non, c'est allongé. Il reprend la forme de... Voilà, on le retrouve. Il se retrouve là. Juste là. Ah, sur la... Okay. Sur Louis. Sur Louis d'extraction d'air. Alors, ça, c'est fonctionnel ou c'est décoratif ? Non, ça sort de l'air chaud. Ça participe au réchauffement climatique. C'est l'enfer. Les grosses pastilles, c'est les endroits où on met le cric, ça ? Ouais, c'est ça, c'est ce qui cache les pointes de levage. Alors, vous avez vu ça ? Voilà, les deux sorties d'échappement, ça m'avait fait un effet bœuf, ça, quand j'étais petit et que la première fois que j'avais vu la voiture, j'avais trouvé ça exceptionnel. Jean-Philippe, tout à l'heure, tu m'as parlé d'une anecdote sur le pare-choc arrière. Il s'avère qu'en fait, quand tu achètes un pare-choc pour une Jensen, tu as intérêt à mesurer la voiture avant. Oui, alors ce qui est très bien, c'est qu'on arrive à retrouver en France un fabricant de pare-choc qui a les Jensen dans son catalogue. Par contre, quand j'ai voulu les acheter, acheter le pare-choc avant et le pare-choc arrière, il m'a demandé de vérifier la distance entre les pointes. Alors les pointes, c'est bien, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et il se trouve qu'il avait un pare-choc en stock, mais il n'a pas pu me le vendre parce qu'il peut y avoir jusqu'à 6 cm d'écart en largeur. Ce qui veut dire qu'il y a aussi 6 cm d'écart au niveau des ailes arrière. Des fesses de la voiture, donc c'est donc vraiment l'artisanat. Celle-là a un petit cul, comme on dit. Alors, parce qu'elle est très étroite. Ils auraient eu tendance à lui élargir un peu l'arrière parce qu'on parlait des places arrière un peu étroites. Est-ce que ça... Non, je pense que c'est plus parce que tout dépendait de l'ouvrier qui travaillait à ce moment-là. Ouais. Extra. Et la trappe à essence, tu nous disais qu'elle avait des soucis d'ouverture. C'est une trappe à essence électrique, donc forcément, c'est une pente complémentaire. Électrique. Mais elle s'ouvre sans problème. Là, maintenant, on est le bouton et... Hop, faut pas être à côté. Extra. Mathieu, tu filmes ? Tu sais que c'est une voiture avec condamnation centralisée. Ah, alors, donc, une voiture à condamnation centralisée des portes. Et alors, il y a une série de boutons. Ouais. On va se faire la série de boutons. J'adore ce tableau de bord de jet, là. On y va. Alors on a effectivement donc les lumières, donc les codes et les phares. Le passage phare se faisant au pied. Ça, c'est le panel. Donc, c'est le bouton qui permet de choisir les trois intensités de l'éclairage intérieur. Ça, fog, donc a priori, c'est pour les feux anti-brouillard qu'on a à l'avant. C'est le bouton qui permet de monter et descendre l'antenne électrique.
ça, si je me souviens bien, c'est ce qui le démiste, ça doit être le ce qui met la clim en dégivrage. Non, ouais. C'est le dégivrage arrière, pardon, j'ai des bêtises. Ça, c'est pour avoir un truc qui est super sympa, c'est les deux klaxons, puisqu'on a un klaxon de ville et un klaxon de route. Et on l'essaiera tout à l'heure, vous verrez que ça... Ça envoie du bois. Voilà. Et là, c'est pour ouvrir la trappe à essence. Ok, et alors, le bouton du siège éjectable, parce que il y a eu une série avec un marchand de café, avec une machine à café, c'est où? Alors, il est, c'est la version est cafetière. Ah, donc, et la cafetière se trouve... Non, elle n'y est pas. Sure. That means double espresso for me. Alors, l'essayer, c'est l'adopter. Hop. Est-ce qu'un grand, ça rentre? Oui, ça rentre. Ça rentre. Oui. Il faut qu'on peut rentrer la tête. Ça rentre pas avec un haut de forme. Hein. On n'est pas dans une belle claire. Non, absolument. Par contre, on peut fumer parce qu'on a deux chacun. Pour les enfants, voilà. Et j'ai vu que les vitres arrière, elles ont petite articulation. Le fameux petit compas là, qui permet Encore une prise d'eau supplémentaire. Voilà, c'est ça. Voilà. On a de quoi mettre effectivement le... Les petits éclairages et tout. Exactement. C'est magnifique. On a même les petites boboettes pour mettre des cochonneries. Donc, pour les bombecs. Voilà, pour la réserve à bombecs. Que exactement. Que tu retrouves 3 ans après, tout collé fondu. C'est ça. Voilà. Et puis la petite boîte à gants centrale avec le manuel à l'intérieur. Eh ouais. Un petit peu de cuir, quoi. Voilà. Eh ouais. Ah, ça sent la belle anglaise. C'est marrant parce que quand on voit ce côté 2+2 avec les petits sièges séparés, ça me rappelle un peu l'Aston Lagonda, tu sais, avec ses, oui. avec ses quatre, ses quatre cocons. Je trouve ça adorable. Alors, est-ce que tu peux nous parler du plaisir de conduire cette voiture? C'est une voiture où tout est souple globalement. Malgré la force du moteur, on a une direction qui est extrêmement souple, boîte automatique, donc pas de passage de rapport. Et la suspension est globalement à peu près assez confortable. On est sur une voiture qui ressemble beaucoup à une Jaguar en termes de prise en main. Alors, le travail est un très bon Jaguar, et j'ai eu une Jaguar, donc c'est quand même assez proche d'une XJ en termes de plaisir. C'est une voiture encombrante et lourde, mais qui est puissante. Donc, où le plaisir, il est sur le confort, l'odeur du cuir, plus que sur la harme du moteur. Une question que beaucoup de personnes se posent dans le monde de la collection, aujourd'hui, une auto comme la tienne, il faut compter combien? Sur une Intercepteur, alors honnêtement, on en trouve des peu moins chers, mais à moins de 50 000 euros, on n'aura pas une auto fonctionnelle ou mal fonctionnelle. Il faut compter entre 50 et 60 000 euros pour avoir une auto, une belle auto. Alors toi qui les connais par cœur justement maintenant, parce que je pense que tu commences à l'apprivoiser la bête, si tu pouvais conseiller les futurs acquéreurs du genset. Le point le plus important, mais c'est comme sur toutes les voitures anciennes et probablement encore plus sur celle-là, la corrosion. Alors autant le châssis, il n'y a pas trop de risques, mais alors la carrosserie, il y a le croûte, beaucoup. Alors celles qui viennent du Royaume-Uni sont encore plus abîmées, mais vraiment la corrosion. Après, en termes de frais à prévoir, c'est l'intérieur qui peut revenir relativement cher compte tenu du nombre de pots, mais qui fait aussi la qualité de l'auto. Ensuite, la mécanique, c'est une mécanique agricole, donc on trouve tout et ça roule toujours. Quoi. Globalement, je pense que pour casser un moteur comme ça, il faut le faire exprès. Il faut mettre de l'huile. Quoi. Un petit détail qui nous a parlé tout à l'heure, c'est le klaxon. Alors, il y a le klaxon cool et le klaxon où je commence à être énervé. C'est allez, ça. Démo. Alors, on a le klaxon de ville, gentil, et le klaxon un peu plus énervé. Où là, on est... Là, ça veut dire pousse-toi. Quoi. Là, c'est le poids lourd qui passe. Si je veux enfermer quelqu'un dans la voiture, je peux le faire d'ici. Je ferme ta portière passager, ouvert, fermé.
comme ça, c'est simplement mécanique. Excellent. Donc bon, il y a un petit détail moi qui me plaît dans cette voiture, c'est la sonorité du moteur. Alors on est sur route ouverte, hein, on est responsable, on n'est pas là pour faire un rallye. Est-ce que tu crois qu'on peut entendre un peu la mélodie de ce beau V8? Ouvrez grand les oreilles. Bon Jean-Philippe, eh ben, ce reportage touche à sa fin et c'est un grand plaisir que de te rencontrer. Merci c'est un plaisir pour moi aussi. Ce partage de passion, merci pour nous avoir montré une auto extrêmement rare et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt. Merci en tout cas d'avoir suivi ce reportage sur Passion Autosport du Var. Je vous retrouve très prochainement pour un reportage sur 3 séries de Renault 11 Turbo, une phase 1, une phase 2 et le Graal, la Zender. Et je tenais aussi à remercier la commune de Solespont, notamment monsieur le maire André Garon pour nous avoir accueillis dans un cadre féerique, un cadre magnifique. Merci pour tout. Je vous dis à très bientôt sur Passion Autosport du Var. Portez-vous bien. Ciao les amis.